Oula, un cimetière. Les cimetières, ça me plaît pas beaucoup. Ok, une grande hache. Alors attendez, parce que ce cimetière ne me plaît pas du tout. Ça me plaît pas, et la raison, elle est juste là, les zombies. Les zombies, pour ceux qui ne connaissent pas Neverwinter Nights, c'est une saleté. Et vraiment une saleté qui, si j'ai vraiment pas de chance, me donne le malus maladie. Et la maladie, si j'ai pas assez de vigueur, je peux mourir. Je vais essayer donc de bien doser comment je vais m'y prendre pour cette zone. Il se peut que je triche un moment en faisant beaucoup de stratégies telles que la sauvegarde jusqu'à avoir la bonne RNG. Oh là là, 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 oh là là. Ah là, là. Je vais me prendre les zombies, je vais me prendre les zombies, je m'en fous. Il faut que les autres arrivent à s'en sortir. Si les autres se prennent un seul zombie ou maladie, c'est bon, c'est moi qui aime la maladie, c'est pas grave. Arrête de bouger. Arrête de bouger, saleté. Allez. Allez. Ah mais elle résiste cette saleté. Ok. Que quelqu'un me protège. Ok, ça c'est bon. Donc là si j'ai... Pardon, excusez-moi. Je joue en fenêtré donc il y a une petite coupure. Là si je joue bien et que je réfléchis bien, il faut que je me soigne directement avec des soins de premier secours. Et heureusement j'en ai pas mal. Donc sur moi-même. Ça a une chance de fonctionner sur la maladie. Yes! Oh là là. Réussite. Parfait. Donc vraiment, faut que je fasse très très attention parce que j'en ai pas beaucoup. Donc cette zone va être un petit peu plus compliquée. Et ça me fait peur. J'en suis au niveau pour l'expérience. Oh, ça sent le level up d'ici quelques monstres. Là-bas, oui, il y a des zombies, je vais essayer de les prendre en premier. Des pièces d'or. Oh, joli. Je vais essayer, ouais, de me faire les zombies. Alors, on essaye d'y aller doucement. Je suppose que par là, il y a encore un, deux, trois. Il y a une tombe là-bas aussi. On y va. On attend qu'il y en ait. Non, eux ils attendent pas. Donc il y en a un qui va se prendre. Il y en a un qui va se prendre un truc et ça va tomber dessus. Ça va. Ça va, ça se passe bien. Il y a encore des zombies par là. Il y a encore des zombies, ça me fait peur. Ça me fait très très peur. Je vous le dis, ça me fait peur de ouf. Deux, trois zombies là-bas. Là, qu'est-ce qu'on a? On a des squelettes. On va se faire les squelettes. Maintenant que les zombies de ce côté-là ne sont plus. La porte de la crypte. Je me suis pris un gros dégât quand même. Cette chose repousse mes attaques. Ah là là, level up. Parfait. Très bon moment pour level up. Impeccable. Le dernier squelette. Tandis qu'il y en a un qui a... Ah, j'ai cru qu'il avait laissé un drop. Ah, il y en a encore un autre. Ah, il est là. Ça va, ça se passe bien.
Ah, le renversement, bien joué. Ouh, qu'est-ce qu'elle fout? Elle a vu un dernier squelette. Ah là là, faut que j'arrête de jouer en fenêtre, faut que je trouve une solution. Parce que ça fait des choses pas ouf. Alors il y a deux cryptes là. Ok. Une masse de brèches. What is this? Oh là là, il y a encore des monstres là. Non mais calme-toi. Une hache d'armes. Ah, il y a plein d'armes utiles. Alors là, il y a des squelettes là-bas encore. Et là-bas, il y a des zombies. On va essayer de réfléchir calmement à ce qu'on va faire. Mais d'abord, je vais checker mes drops. À savoir tout ce bordel. Bon, camp de hache inutile, masse de brèche. 1 des 12. 20 x 2, d'accord. Une hache d'armes, 1 des 8, ok. Bon, le level up. Parce que... Il faut qu'on s'en occupe. Évidemment, Roublard. Je vais donc rajouter mes points dans des amorçages, la discrétion, l'intimidation, la fouille, le savoir, l'estimation, tiens aussi. J'avais pas un truc genre savoir, moi, là-dedans. Premier secours, je vais mettre un point quand même. Quoique, je sais pas. Ah voilà, le savoir. Mes deux points. Attaque sournoise. Ah, 3d6. Intéressant. Ouais. Quel gare ? Un guerrier. Bon, création d'armes. Un peu de savoir dans le doute. Et non, t'as qu'un point, toi, c'est vrai. Et Raïri. Bon, plus 15 points. Parfait. Plus 15 points de vie. Donc on est en face avec un beau bébé. Toi, ce serait bien que tu gagnes aussi des points de vie. Vraiment. Roublard, alors. Ah, alors, qu'est-ce qu'on peut t'augmenter? De l'intelligence, de la dextérité, de la constitution. Je vais mettre un point dans ta constitution parce que sinon tu vas mourir. Là-dedans, qu'est-ce que je vais te mettre? Un point de discrétion, désamorçage. Déplacement, crochetage, détection, oui, donc un peu partout. Hop. Utilisation de l'objet magique. La survie, est-ce que ça serait utile pour toi? Non. Premier secours, non. Oh, puis on va mettre pose de piège, même si ça servira pas trop. Et acrobatie. Quoique pose de piège. Non, je peux pas mettre plus. Ok. Et voilà. Alors, 8 points de vie. On augmente des trucs. Parfait. Esquive instinctive. Bon. Ouais, 24 à 32 points de vie. Ça reste encore raisonnable. Bon, maintenant, il faut que je réfléchisse à mon plan d'attaque. Je vais commencer par les zombies, les 3 zombies qui restent là-bas. Ensuite, je m'attaque au squelette. Et après. Oui. Je m'attaque dans les cryptes en essayant de trouver où aller. Alors attends, parce que. Toi. Je peux t'aider ? Faut que je te donne des ordres. Déjà dans le comportement. C'est où ? Ah voilà, c'est là-dedans. Jamais discret. Discret jusqu'à la prochaine rencontre. Voilà. Ouais. Donc déplacement réduit. Non mais. Voilà. Ok. C'était pas du tout ce que je voulais faire. J'en découvre des trucs, hein. Vous me donnez-moi 2 secondes. Non. Voilà. Ah, je peux mettre ça sur tous. Ah, ok. C'est quoi ça? Ce personnage tente de danser, il serait plus puissant, non?
Oui, on va tous se mettre là-dessus. Garde du corps, protégera chef de groupe. Désactiver. Proche et marionnette. Ok. Voilà. Ça devrait aller peut-être mieux, j'espère. Oui. Alors, on y va en douceur sur les zombies. Il y a trois zombies, parfait. Si je peux tous me les prendre, ce serait. J'ai attiré tout le merdier, j'ai attiré tout le merdier, j'ai attiré tout le monde. Et je suis malade. C'est le moment où je suis, hein. Oh, c'est un bordel. Oh, c'est un bordel. Oh la vache. Hop, deux zombies. Et j'ai vu que. J'ai vu, je l'ai vu, il y a un squelette. Ouais, là-bas. Du soin, vite, avant de mourir. Mais soin de groupe. Oh, oh, c'était cool ce sort. Je suis un peu triste de l'avoir utilisé, mais là c'était vraiment le utile, dirons-nous. Bon, attends, hop. Si je peux déjà en tuer un, ce serait bien. Ils sont résistants, dis donc. Voilà. Moi, ça c'était compliqué ce combat. Du coup, je suppose que ça n'a plus du tout d'utilisation. Non. Bon, bah j'ai remporté le combat. Ça me fait un peu mal, j'aurais voulu qu'il y ait une autre stratégie. Bon. Au moins c'est réglé. J'ai perdu un petit peu de vie et je suis malade. Oui, je l'ai dit en plus. Je vais tenter ma trousse de premier secours sur moi-même en espérant que ça passe. Ça passe pas. Ça n'est pas passé. Jet de vigueur échec. Ah là là, premier jet de vigueur. Donc là, il va falloir que je fasse vraiment très attention. Ça n'est pas passé. Aïe aïe aïe. Alors là, par contre, ça me posait vraiment problème. Ça me posait vraiment, vraiment problème. Comment je pourrais faire? Je vais voir la tombe déjà là. Des bottes antidote. 600 pièces d'or. Ouais. 600 pièces d'or. Ça va m'être très très utile. Et je vais essayer de me faire soigner parce que sinon je vais pas être bien et je vais mourir de maladie. J'ai quoi? J'ai constitution des crues et ouais, dextérité. Petite ellipse et je reviens pour pour me faire soigner. À tout de suite. C'est bon, je suis soigné, je suis juste revenu à Port-Nuit pour avoir la bénédiction d'un frère. Alors, l'histoire des cryptes. Voyons, je vais passer par cette crypte-là pour commencer. On verra bien ce que ça me réserve. J'ai peur. C'est parti. Ok, en douceur. En douceur. Il y a une porte là. Aïe aïe aïe. Ah, bon bah go. Il y a des ennemis, les gars. Putain, là, mais ces dégâts de feu, c'est quand même fort. Ok.
Qu'est-ce qu'on a là-bas? Un sarcophage. Ok, il faut passer de ce côté. Selon le jeu. Ah ah! Je le savais. On va désamorcer la piège. Ah! Mince. Suivez-moi, tous! Tu peux désamorcer, s'il te plaît? Oh là là, trop forte! Trop, oui. Trop forte. Oh là là, oh là là! Oh là là! Oh là là, par contre là, est-ce que j'aurais dû faire ça? Je sais pas trop. Peut-être pas dû faire ça, moi. Je regrette un petit peu. Bon, en tout cas, au moins, ça se passe bien. Mais les dégâts de feu, c'est trop bien. Oh là là. Bon, ok. Cette zone est clear. Il n'y a pas d'objet. Mais il y a la porte là. Cette porte là, si elle n'est pas piégée, c'est étrange. Je vais rester là et je vais me soigner. Ah, des ennemis sont proches. Des ennemis sont proches. Comment ça se fait? Pourtant, il n'y a plus d'ennemis. Bah attendez, moi je viens de... Hein? Les ennemis sont proches. Mais quel ennemi en fait? Il n'y a pas d'ennemis. Les ennemis là? Derrière cette porte? Ce qui est possible en même temps, c'était... Ah, il y avait deux portes, ok. Il y a une porte fermée. On va passer par là. Un autre couloir. Ah, j'ai déclenché un piège. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Les ennemis, elles sont encore proches. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe des choses bizarres. Beaucoup trop d'ennemis, je peux pas me soigner. Alors, si je veux ouvrir ce coffre, j'ai une alexandrite. Ok. Et celui-là, s'il n'est pas piégé, c'est qu'il y a un problème. J'ai déclenché un piège. J'ai réussi à esquiver. Ok. Oh. Alors là. Attendez. J'ai un cimetière. Ok, mais j'ai un anneau. Anneau d'intuition à ça. Oh, mais savoir plus 5. Mais vas-y. Alors là, c'est bon. Oh là là, savoir plus 5. Putain, mais c'est bon ça. Super. Alors, cet anneau, je le garde. Des gants de concentration. Je les donnais à lui. Comme ça, il aura des gants. Suivez-moi. Mais c'est utile cet objet là. Cimetière à deux mains plus 1. Oui. Bon. Et bah cool. Ah bah alors là. Ah bah alors là, je suis gâté. Je suis gâté par le jeu. Bon, cette porte là. Qu'en est-il? Oh, bonjour. Oh non, des zombies. Oh non, des zombies, des zombies, des zombies. Barre-toi, Kendall. Barre-toi. Barre-toi fort. Je peux le faire. Oh mais il résiste au feu. Tue-moi. Prends-moi moi. Et pas elle. Parce qu'elle a pas de vie déjà. Surtout. Allez. Que quelqu'un me protège. Il reste encore des zombies. Un zombie là qui... slide. Il slide. Le zombie, hein. Tout va bien. Tout va bien pour le moment. Je reste frais, évidemment, si bien je dis ça, que il tombe dans la maladie. Ah, c'est horrible ça. C'est
horrible. Morgenstern en mitral. Oh, what? What? Je prends. J'ai pas d'autres ennemis. Ouais, j'ai pas d'autres ennemis. Et du coup, cette salle, qui est donc à côté de la salle là. Donc là, du coup, il n'y a plus rien. Et là, il y a un sarcophage. Ok, là, il y a deux sarcophages. Ah, j'ai pas envie que tu meurs. Il me reste encore plein. Ouais, je vais voir si ça marche. S'il te plaît, meurs pas. Yes! Trop bien. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Et je peux me reposer, enfin. Alors ça, c'est super. Après, j'irai refaire un tour pour marchand, lui donner un maximum d'objets inutiles. Alors, dans celui-là, un grenat. Et c'est tout. Et le sarcophage, oui, un sarcophage qui est là-bas, auquel je vais aller tout de suite, en fait. Juste, j'y vais. Là, je sais que il y a sûrement un. Ah, ça continue par là. Ok, donc il y a une autre salle. Ouais, là il me dit qu'il y a quelque chose. Ok. Ok, je l'ai. Je l'ai, je ne vous en faites pas, tout va bien. Je comprends. Je comprends le jeu vidéo. Ouf. Ok, c'était pas prévu. Ça, j'avoue, c'était pas prévu. Oh, putain de merde. Et merde. Personne ne bouge. Personne ne bouge. Ok. C'est fait. Oui. Je suis pris 14 de dégâts. Il doit y avoir d'autres pièges. Il y a une porte là. Ah, il y a des pièges, il y a des pièges. Non mais allez-y. Mais qu'ils sont cons. Putain, ils sont cons. Oh puis merde. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Que quelqu'un me protège. Voyons ce qu'il y a dans le vide. Je me charge de lui. Vous êtes cons, les gars, vous savez ça. Un katana. Je suis trop chargé pour bouger. Oui, bah calme-toi. Donc je vais donner du bord de la Kergale. C'est sûr et certain maintenant. Des ennemis sont proches, et ben on va se barrer tout en douceur. Jusqu'à ce qu'ils me disent oui, c'est tout bon. Normalement, les zombies sont partis. Non, il veut vraiment pas. Ok. Alors, du coup. Le katana. Ah oui, oula, oui, oui. Ah, je commence à être dans la zone limite. Katana plus 1. Oh, joli, joli, mais c'est une arme exotique. C'est que toi, tu vas porter tout ce qui est lourd, en fait. Tiens. Tiens. Et tiens. Parfait. Non, j'aimerais me soigner, donc si je dois aller là-bas pour me soigner, ça va pas le faire, le jeu. Non, mais là, il y a pas d'ennemis proches. Te fous pas de moi. Et quand même, faut aller loin pour se reposer. Bon. Petite sauvegarde, je vais couper l'enregistrement ici pour ma part et je vous retrouve dans quelques secondes. Ne vous en faites pas. A tout de suite. Et incroyable, c'est allé super vite. On va se remettre avec lui. On continue d'explorer les cryptes. Alors, il y a une porte. Alors, il y a deux portes justement. Il y a une porte ici. Grande salle avec les zombies. J'ai pris un piège, c'est pas grave. Je vous en assure, c'est pas grave.
Il est où le nain? Le nain? Le nain? Le nain, amène-toi. Voilà, un zombie. Cette chose repousse mes attaques. Ah, repousse pas tes attaques, t'es juste derrière. Ok. Bon. Ça s'est bien passé. Je suis content. Il y a une porte. Ah, la fameuse porte qui va m'amener. Ouais, juste là. Et en plus, ouais. Je l'ai vu. Des amorçages. Si je peux. Oh là là, trop forte, Niska. Trop fort. Il y a clairement un piège. Il y a un piège. Il y a un piège quelque part. Je le sens. Non ? 300 pièces d'or, sacoche immobilisante, carreaux, parchemin, deux parchemins et des shurikens. Je prends tout. Et normalement, tout est automatiquement examiné. Botte inférieure d'acrobatie. Oh ! Acrobatie plus 4. Moi, c'est quoi que j'ai comme chaussure déjà ? Résistance au dégât. Je sais exactement qui va les mettre. Elle. Toi, tu vas mettre ses bottes. Oui. Ensuite, toi, j'ai des shurikens. On va les garder. Un antidote et des shurikens que je ne peux pas utiliser parce que arme exotique. Bon, alors ça, c'est un problème de régler sur le sarcophage, comment y accéder. Ok. Ensuite, cette porte-là, je l'ai vue. Je m'en souviens. Cette porte là, on m'a dit, elle est piégée. Je le savais. Vas-y, pendant que je désamorce. Ok. Les gens, ils vont se prendre le piège. Ils vont se prendre le piège, vous en faites pas. Ouais. Non, personne va se prendre le piège. Ok. Et putain, mais. Cette chose repousse mes attaques! Tant pis, je me le prends. Restez tous où vous êtes! Il est où le nain là, Kaden? Casse-toi, putain, toi t'es nul. Je me suis pris la maladie. Voilà, bon, bah là évidemment, je suis dans le mal. Incroyable. Pensez à récupérer beaucoup de trousses de soins. Attends, dégage-toi. Ça fait déjà 2 ou 3 trousses de soins que j'utilise et j'aime pas bien ça. Moi, ça me fait peur quand j'utilise des trousses de soins. Pièce d'or, ok. Un autre sarcophage là-bas. Pièce d'or, parfait. Alors normalement il y a encore des pièges. On va y aller en douceur, je sais qu'il y a des plaques de pression. Normalement je peux. Voilà, j'avance comme ça, en douceur. Je regarde en même temps s'il n'y a pas d'ennemis. Parce que on est quand même sur une très grande salle. Une porte. Ah, un zombie. Il va y en avoir d'autres. Un squelette là-bas. Pas super grave le squelette, mais le zombie. Le zombie m'inquiète plus. Il y a encore un squelette là-bas. Oh là, beaucoup de squelettes, ouais. Que quelqu'un me protège. Voyons. Que quelqu'un me protège. Ça va être une très longue session, ces cryptes. Ah, alors là par contre,
Alors ça normalement je peux les combattre à travers. Non. Quel gars. Oh. Vraiment. Échec. Eh bah fais-le. Vite. Voilà. Comment ça impossible, mais comment ça se fait? 24 contre 99, ok, c'est impossible. C'est impossible les gars, c'est impossible. Revenez là. Revenez là. Revenez là, mais quel connasse, mec. Mais arrêtez de casser. Arrêtez d'être con les gars. Hey, viens. Viens. Je peux t'aider? Putain, mais quel con. Et voilà, et puis elle s'est pris ça, mais oui. Elle est où? Bon. Une porte 99. C'est que il doit y avoir une clé quelque part. Oula. Calme-toi, jeu. Calme-toi, Windows. Et évidemment. C'est fait. Alors, ça me met nous. Zombie. Je prends les zombies. Une goule. Putain, non, la goule. Beaucoup trop dangereux, la goule. C'est le stade supérieur aux zombies. Et c'est une... C'est la pire des saletés. C'est dur en ce moment. Un anneau, encore. Parfait. Anneau de résistance. Ça fait de la lumière. Bon, c'est joli. Juste une salle avec des goules. Parfait, ça valait le coup. Hein. Trop bien. Résistance, c'est quoi? C'est un sort, ça. Ouais, c'est un sort. Si quelqu'un dans les commentaires a une solution pour se guérir plus facilement de la maladie, je suis preneur et j'attends vos conseils avisés. Faut que je retrouve ma touche de sauvegarde automatique.